On est arrivé au paradis, les bananes. Viens, je t'emmène une banane. Toc, 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 aux portes du paradis. Vous êtes prêts? Vous allez avoir un choc cardiaque. La lumière n'est pas encore dessus, mais attention. Regardez comme c'est beau. Dans la baie d'Anavav, la baie des Vierges. Montre-leur, c'est parce que ça ressemble à une fille. C'est bien expliqué. Donc ça ressemblait à une grosse bille. La baie des Verges, parce que ça ressemblait à des verges. À des phallus. Il fallut que je le suce. Il y a des missionnaires qui sont arrivés, ils trouvaient que c'était vulgaire. Alors, 34 jours pour traverser, c'était très long. Presque 2 semaines pour tirer des bords, pour faire 1000 milles pour dépasser Galapagos. Blacky a assuré, ma femme a assuré. J'ai grossi, j'ai encore pris 10 kilos à cause d'elle, je suis porté plein. On fait un petit point du bateau, ce qui était bien et pas bien. Qu'est-ce qui a cassé? Donc le phoque, la réparation que j'ai faite à la tenue. Et on pense vraiment que c'est un oiseau qui a, ouais, en pleine nuit, qui s'est pris en pleine tronche. Le matin, on aurait pu se réveiller, je pense qu'il y aurait eu la tête de l'oiseau d'un côté, le cul de l'autre. Donc, le code ça, zéro, ben, ça vient du tissu a priori. Il y aura une bonne nouvelle sur le code zéro. Donc déjà, on remercie Rui Tusker de nous refaire cette voile gracieusement. Il y en a qui vont dire c'est normal, mais Twin Disc, ils n'ont jamais fait un truc, un geste pour les sailrides. Les poulies, donc Ental, ça casse. Donc c'est de l'inox et ça casse comme du verre. Deux de cassés, là il faut qu'on s'en occupe assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a cassé d'autre? Pas grand chose. Hein. On a perdu 2 ordinateurs, le MacBook, ça faisait 15 ans, il a déjà fait un tour du monde. Kevin, le pauvre, là il est en résurrection. Il n'y a plus qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a plus qu'une feuille sur la tête à mon Kevin. Il va reprendre. Ah, j'espère. Et la gestion des poubelles, ma jacouille. Je trouve qu'on s'en est vachement bien. Il n'y a pas grand chose. Là il reste des boîtes à écraser. Je sais pas si on va mettre les poubelles ici. Si on mettra à Ivaoa. L'eau ça a été bien. L'eau, le dessin. Il faut que je fasse absolument. Voilà ce qu'il nous reste. Mais quand je pense, j'appuie dessus. Tous les deux, et pourtant, on est des grands consommateurs. Moi, plus d'eau, la jacuzzi, c'est plus d'alcool. Au total, on avait 120 litres pour un mois. C'est ce qu'on avait compté. Ouais, on compte 2 litres par personne par jour, 4 litres. Ça a été suffisant. Le dessal, je mettais pour l'eau ménagère, pour se laver, tout ça, faire la vaisselle. Moi, je suis un très grand consommateur quand je fais la vaisselle, malheureusement, d'eau, parce que j'aime que les choses soient bien propres. On n'a pas fait, par contre, de lessive des 1 mois. Non. Pas du tout de lessive. Une heure de dessal par jour. L'énergie. On avait l'hydrogénérateur. Les panneaux solaires, sauf que les panneaux solaires n'ont pas donné pendant cette traversée parce que le soleil n'était jamais au zénith. Le soleil, il faisait un arc à côté de Black Lion. Tous les jours, 1 heure, 2 heures de génératrice. La Yamaha, c'est génial, la 4 temps. Elle va faire 2 tours du monde, ça, jamais un problème. On est très grand consommateur aussi d'électricité et rien nous a manqué. Starlink est branché en permanence. Starlink, c'est une révolution. Le tarif, on trouvait ça cher, on se dit bon, on va faire attention, mais c'est un budget qui va rentrer dans le budget Black Lion. Pour être en sécurité, ouais. Par pour contre, poster les vidéos. Par contre, c'est pas la même qualité du début. Au début, vous vous rappelez, on vous avait fait un live en pleine mer. Là, ça coupe quand même. Hein. On a donc le frigo. La jacouille a fait au sac avec... La machine, elle a travaillé tous les jours. La machine à coudre. Alors, les courses, il nous a rien manqué. Voilà comment on se retrouve le frigo. 34 jours après, le congélateur, il est plein tellement qu'on a pêché de poissons. La glacière EcoFlow a été complètement autonome. Moins 18 sur sa batterie autonome. Ça dit une petite canette? Et puis c'est super frais. Ouais. Voilà ce qu'il nous reste en fruits et légumes. Du sel, du sel, du sel. Le bateau, il a moisi à l'intérieur, un truc de fou. C'est la première fois que ça m'arrive autant. Pour moi, il n'a jamais été aussi salé, aussi sale qu'il est là, sur cette transpacifique. Souvenez-vous de la cale, le garde-à-manger à Jacouille. Voilà ce qu'il en reste. J'ai dû perdre une orange, 2 oranges et un pamplemousse. Et sinon tout le reste, je n'ai rien perdu. Waouh, il y a des... Il y a des rafales, je vous dis pas comment là. Oh, il y a la rafale à la surface de l'eau. Ouais. Ça fait un tourbillon. Que c'est la première fois en 15 ans, vraiment. Hein. Vous avez vu sur les vidéos, souvent je suis barbouillée. Et là, j'ai même pas été barbouillée en faisant les sacs, quoi. Je vais pas dire très agréable. On ne s'est pas fait non plus défoncer. El Niño a été dur avec notre Blacky. Et ce matin, nous sommes sur un nuage. Je nettoie les culottes à la jacouille. Elle a été sponsorisée par Michelin. Il y a beaucoup de traces de pneus à l'intérieur. Possible. Et nous sommes heureux d'être arrivés au paradise. Ah oui, l'alcool très important. C'était limite ça, c'était juste parce que très grosse consommatrice d'alcool à bord du bateau. Et les citrons, vous rendez compte, on a tenu les citrons 34 jours. Si vous avez des questions à poser sur cette transpacifique, savoir ce qui nous a manqué, savoir comment. Oui, posez-les parce que. Là, ce matin, nous sommes des gens heureux. Ce sont des gens heureux. Vous voir l'état de la jupe, j'en suis malade pour Blacky. Hein. Alors, il y a un truc, je sais que ça va partir très facilement. Du Clorox, de l'eau de Javel, ça va partir. Je l'ai fait pourtant il y a 5-6 jours. Hein.
On va laisser agir. Il y a un dépôt verdâtre qui s'est posé sur les coques de Blatchy. Et il n'y a que le jus de coude avec un produit pour nettoyer la coque, c'est vraiment super. Heureusement qu'on l'a. Et heureusement qu'on l'a parce que même ça est frotté à fond, ben c'est un peu chaud. Et dedans c'est pareil, c'est des grosses taches de moisie qui se sont collées sur les murs incroyables. Je vous ai montré au tout jour comment c'était et vous allez voir comment c'est maintenant. Il n'a jamais été aussi sale que ça. Une pauvre Blatchy, t'as ramassé sur cette traversée. C'est pas de l'eau sauce, c'est sous la peinture. Ça fait comme des taches de rouille. Ça fait des coques qui éclatent. Bouge-toi d'un jour, bouge-toi toujours. Ils ont suivi jusqu'aux marquises. Adji est pas là. Hein. Capitaine, descends à terre. Comment on est accueilli aux marquises. C'est joli. Ah, c'est gentil comme tout. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Regardez comment on est accueillis. Voilà comment on est accueillis. Au marquis, Teva. C'est Teva. Merci Teva. Merci Teva, merci. C'est un amour. On se voit bientôt, Eva Oua. Maria a rempli sa mission. On merci adore. Beaucoup. On adore. C'est comment déjà ton prénom? Anne. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est en coco. C'est du coco. Là, c'est de l'os. Franchement, on a l'impression d'être dans un Éden. Il y a tout. Un paradis. C'est le paradis. Et les bananes, on a fait une heure à terre. 4 heures de bain. Je viens de faire les Jeux Olympiques. Sur les couilles, c'est incroyable. Mais moi, ça va. Foncé, quoi. Oui, mais j'ai fait du vélo. Oui, voilà. Un jour. Il faut savoir qu'il a fait du vélo un jour. Enfin, je l'ai sorti le vélo. Ouais, mais tu vois, j'ai pas mal aux jambes. Aujourd'hui, comme des rois, quatre bateaux dans la baie. La jacouille va descendre, il y a un petit spectacle de danse. Ouais, et puis il y a Maria qui nous prépare des fruits. Des fruits. Les orages, ils ont pris des vagues, ils ont pris le soleil, ils ont fait du ski. Ouais, c'est quoi ça? Ils ont attaché avec du plastique. Ils se sont pris les crottes de guano aussi. Ouh, ça sent fort. Oh putain, ah non, c'est bizarre. Et celui-là, il va être caramélisé. Alors celui-là, ça va être une tuerie. Il va pas bien, toilette. Kevin, il est sur le point de mourir. Ils nous ont bouché les toilettes, ils ont le droit de boire un petit rhum. C'est pas moi, c'est Adji. Ça débouche la chiotte. Attention, je vais prendre des tout petits verres et on les remplit paf. T'as la radine du rhum. Mais celui-là, il a une drôle d'odeur, faut qu'il goûte celui-là. Mais... Et puis bonne chance, surtout. Même dans le verre, il pue. Il est bon. Ça a du retour. Goûte, Maddy. Jamais je goûterai ça. Non, j'aime pas du tout. Eh bien, Non, j'aime pas. Oh. Ah ouais. Il a le goût de l'ananas. Ah, il peut y avoir un truc. Banane vanille. Ah bah moi j'aime beaucoup celui-là. Ah, c'est goûtu hein. Ouais, ouais. Ah, il est doux. Bien fouetté. La couleur cannelle. Mmh. Ah, il y en a 3-4 qui sont très bons. Ouais. Il y en a deux qui sont bizarres. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses?
Pas une boisson pour mauviette. Bah ben voilà, les bananes, vous avez goûté. J'espère que ça vous a plu. Après, tu sais que nous repartons sur les traces de pirate.com. Oui. Bonjour les bananes, comme on dit au marquis. Kaoran, oui. Jacques est pêcheur et sur sa plate en alu, il va nous emmener à Omoa. Omoa est à peu près 3 milles de mouillage de la baie d'Anavae. Nous allons faire cette promenade que nous avons fait il y a 8 ans en arrière, qui est magnifique. Traverser Fatuiva du sud jusqu'à ici. 15 km les bananes. Nous sommes frais, joyeux, frais comme un gardon. Regardez bien, c'est sur la gueule qu'on va avoir. Surtout après la Transpac, on a besoin de marcher absolument. Et ce matin, on va quand même profiter. Et on va pas tarder à aller justement à Ivaoa aussi et faire les papiers parce que ça fait 4 jours qu'on est là et on n'a pas fait les papiers. Je crois qu'ils autorisent 7 jours. C'est parti. Wouch. Allez hop, dans le sac les bananes. On n'est pas partis, qui sont déjà fatigués. 6000 pacifiques, ça fait à peu près un peu plus de 50 euros pour venir à Omoa et faire cette promenade. Qu'on est parti, on est déjà arrêté dans une maison et ils nous offrent déjà des fruits. La copirate, on fait demi-tour, c'est gouré de chemin. Tout à l'heure, il a dit de toute façon, il n'y a qu'une route. Non, il y en a deux. Il a fallu comprendre la deuxième qui n'est pas bonne. Oh putain, on n'est pas arrivé. 2 heures après, nous revenons au point de départ, là-bas, il y a les Kiki. Il fallait tourner à droite ici. Ça, c'est le Kiki Olgado. Putain, il est 9h30, on n'a rien fait. Non, si, rien nous arrêtera. Mon bâton déployé, ma femme à l'arrière. Tu vois, là, c'est la dent du guignol. Et sur votre doigt, vous avez la coulée du Grand Brun. La chance sent tout petit, hein. Déjà, on sent l'oxygène qui se raréfie. Allez, regardez ce que ça fait quand on fait semblant que je ne suis pas fatigué. On va se vitaminer. Vous prenez directement dans les arbres comme ça. Moi, je vous préviens, je fais pas de massage cardiaque. Hein. Comme la vie est belle. Est-ce que vous connaissez ces pamplemousses, ces bananes? Mais par contre, tu nettoieras, c'est dégueulasse. Hein. Et on dirait des locumènes. Un vrai dépotoir, tu peux pas poser tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve. Bah, ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre. Putain, toi, mon gars, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ton petit côté écolo. Voilà, faut que je te filme comme en train de la ramasser parce que je vais avoir des gros soucis encore. S'il te plaît. Les bananes, on n'est pas arrivé. Il va regarder combien de kilomètres il nous reste. Parce que c'est tout là-bas, là-bas au fond, on voit pas les bateaux encore, c'est derrière. Nanchi, Nanchi dur, Nanchi grave, elles sont loin derrière nous, elles ont triché, elles sont montées dans la benne à 4x4 pour nous rattraper. Putain, ça grimpe encore la vache. Ouh, je pense que nous sommes arrivés sur le plateau. On a chié nos traces quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, non, ça va quand même. nous allons manger ici. Regardez la vue de malade, ça va beau ça? Et un pique-nique Black Lion ne serait pas un pique-nique Black Lion sans. Si à Black Lion tu n'as pas ton rhum, c'est que tu as raté ta vie. Si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawai. C'est l'horrible Kawai avec la capuche. Que quand tu la mets, même si t'as Bac plus 10, t'as l'air d'un bonheur. On frappe aux portes du paradis. Jacques Brel disait, le temps s'immobilise aux marquises. Le temps s'immobilise aux marquises. On dirait qu'il y a une porte qui s'est ouverte sur les portes du paradis. Quand on est arrivé ici là, il y a 8 ans, on avait dit, on n'a jamais vu autant de nuances de vert. Et là-bas donc, les chèvres tous les soirs, elles vont se foutre en équilibre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est sûrement pour se protéger la nuit. De les pas cochons être sauvages. J'en sais rien si les cochons attaquent les chèvres. Les chiens. Mais elles vont, tous les soirs, elles montent là sur les, donc la baie des Vierges, elles montent sur les grosses bites, comme dirait la jacouille. Choupi, il y a des enfants.
D'ailleurs, j'ai fait une chanson là-dessus. Mais arrête de répéter, tu mets des bips, hein. Ça commencerait comme ça. Mais, à m'asseoir sur une grosse bite, 5 minutes avec toi. Et elle monte comme ça, et avant que se fouille sur le rocher. Et il y en a qui n'y arrivent pas, et elles sont là. C'est un spectacle, on n'a pas besoin de télé en fait ici. Et on se régale. Par contre, il y a un truc, ouais, ce sont les vents catabatiques. On n'avait pas eu des vents comme ça quand on est arrivé au mois d'avril. Non. Quand on est arrivé un peu tard dans la saison. Alors c'est bien parce qu'il y a moins de bateaux. Belle rafale à 25-30 nœuds là qui descendent et on mouille dans du galet. Et donc c'est un peu la pression. Donc on a passé une bonne journée en compagnie des bouche-trous. Arrête de les appeler les bouche-trous. Ils ont bouché et toi de Black Lives. Ouais, ce sont les bouche-trous officiels de Black Lives. Ben, on n'a qu'à les appeler les bouche-trous. Notre rituel, à chaque fois qu'on repassera ici, on fera cette promenade et vont aller se foutre sur la plus grosse bite de la baie. Arrête de dire le mot comme ça, c'est pas joli. La bite d'amarrage, les enfants. Ah oui. Assise sur une bite d'amarrage. Je belle. Quand on dit à Sainte-Lucie ou à Grenade ou Saint-Vincent et Grenadine, alors bien sûr, je vais encore me faire défoncer avec ça. Welcome Paradise, c'est pas 30 dollars. Welcome Paradise, c'est ça. Vous y arrivez, on vous met un collier de fleurs autour du cou. Aujourd'hui, on est encore revenu avec plein de bananes, de pamplemousses, de citrons. Et il vous les donne. Ce n'est pas une légende. On finira dans ce coin-là, non? Ouais. On va être incinéré et puis choupi dans une bouteille de rhum. Puis moi avec, hein, parce que je me sépare pas de mon choupi. Et demain, pareil, il va à faire les papiers parce que, en plus, c'est cool ici parce qu'il vous autorise 7 jours en gros. C'est ce qui se dit. C'est pas officiel, mais c'est presque officiel. Quand vous arrivez, vous traversez le Pacifique, ils sont pas là pour vous emmerder. Et Fatou Iva, c'est vraiment l'escale à faire absolument. C'est extraordinaire. Quand vous arrivez. J'espère qu'on va pas nous couper les droits d'auteur. Les bananes n'étaient pas Shazam. Oh, vous avez pas vu ce matin, j'avais mis ma fleur de tiare à l'oreille. C'était trop beau. C'était très intéressant. Allez, ciao. À demain, on se va sur Ivaoa. 46 000. Les bananes. Ah, ils ont envoyé un ballon dans l'eau là-bas. Viens. Ah mince. C'était très intéressant. Décalé. Ça fait 4 jours qu'on est arrivé à Fatou Iva. Ça fait déjà 2 fois qu'on se réveille à 2h du matin. Et c'est le bruit de la roche sur la chaîne. C'est un peu impressionnant, l'impression d'être échoué sur le récif. Du coup, 2h du mat, on va déjeuner. 2h du mat, j'ai des frissons. J'ai des glaglas, j'ai des gaouilles. Si tu en veux, toi aussi, mangeant avec des raviolis. Qu'est-ce que tu racontes? Un petit nez, un petit cul. Un petit œil, ça fait un écureuil. On se voit tout à l'heure, il va voir les bananes. À tout à l'heure. On en a fait des centaines, voire des milliers d'émouillages. Black Lion n'était pas du tout en sécurité. Moindre erreur, on mettait Black Lion sur la digue, sur les rochers. Nous n'allons pas prendre le risque de perdre notre maison, notre bateau. Toute notre vie est là. Le vent va souffler encore de plus belle. Donc je pense qu'on va partir aller faire les papiers à Nkouiba, qui est à 82 000. On va être 3/4 portant. Là, c'est la trace de Black Lion. Donc on est rentré là, on s'est dit bon, on va rentrer dans le port parce que les conditions étaient tellement extrêmes ici. Puis on s'est dit, on rentre dans le port. Et là, dans le port, tous ces voiliers là que vous voyez là, donc ils sont schématisés, ça tournait dans tous les sens. La houle était rentrante et on a tenté jusqu'au bout, vous voyez, dans les sondes, c'était Mario, dans les sondes d'1m70, c'est qui? En fait, il y avait un bateau copain ici qui nous a dit ce matin, il y avait une houle de 2 mètres qui rentrait, quoi. Pas le droit à l'erreur non plus, rien à faire. Toutes ces zones-là, normalement, elle est complètement interdite au mouillage, mais elle était remplie de bateaux tellement les conditions étaient extrêmes. Nos amis, les bouche-trous, là, qui ont pété leur guindeau, en plus, à cet endroit-là, là, et qui n'ont pas pu bouger, ils ont passé la nuit là-bas, dans des conditions de torrides, impossible de remonter l'ancre. Nous, on n'a rien pu faire pour les aider. Ils ont réparé le guindeau, ils arrivent ce matin, ils passent. Et là, les vagues tapaient en furie contre la digue, là où le rentrait là, donc c'est ce qu'on appelle le ressac sud-est, là où il devait rentrer comme ça. Elle tapait là, ça rebondissait là-dedans et ça rentrait là-dedans. Et un vrai bordel, quoi. Un vrai bordel. Et donc pour finir, nous avons quitté ce mouillage, donc ici l'Ivaoa, pour faire 8 000 en urgence
et aller se mettre là, à Tawata. Voilà pourquoi nous sommes donc ici. Et ce matin au réveil, j'ai cru voir un petit bout d'aileron d'une raimanta sur le côté, parce que c'est connu pour qu'il y ait des raimantas. Donc nous allons profiter de cet endroit-là avant de partir sur nos couilles. Bah, je vous dis que je n'ai pas tardé à l'enfermer à Jacouille, parce qu'entre ces petites hystéries, regardez le café. J'ai oublié de mettre le café dans la cafetière. Café à domicile. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Vous allez dormir. Visionner cette vidéo, je vous explique. Il y a une grosse masse noire là-bas dans le fond à gauche, par là-bas. Vous voyez, Blacky là, la plage est devant. Je dis à ma jacouille, viens, on y va. Il y a un banc de poissons. Et je filme, et là d'un seul coup, les poissons, ils arrivent vers moi comme ça. Magnifique. Je tiens ma GoPro comme ça. Et ça s'écarte devant moi, mais c'est impressionnant. D'un seul coup, ça s'écarte, et derrière, je vois des thons qui chassent ces poissons. Et derrière les thons, d'un seul coup, un requin qui arrive et qui chasse le banc de poissons. Et à ce moment-là, bah, j'ai eu un coup de flip, je me suis mis à reculer. Là. Et on pourrait partir de Blacky jusque là-bas. Bah, je peux vous dire que le retour, il était... Welcome back in the Pacific, choupi. Kevin, 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 mon pauvre petit Kevin. Vous l'avez vu se dégrader au fil du temps. Et vous savez, dans les films de fin du monde, souvent, à la fin, il y a une renaissance du monde. Et la renaissance n'est quasiment plus qu'ici avec Kevin, la petite pousse. Le petit truc qui va faire revivre Kevin, le renouveau. Impressionnant. Des gros trucs. Ouais, bien. Ah, mais c'est des petites carottes. Ouais. Des carottes.
54. Alors, à ce moment-là, le gars, il fait une transpacifique. Il pêche trois poissons, il est content. Et eux, chez eux, Marquise, ils en font 10 sur une heure. Alors, on va essayer. On va tenter. On n'est pas plus con qu'un autre, hein. Quoique, il y a des fois. On va essayer avec ça, on va tourner autour à la même vitesse qu'eux. On va traîner et on va voir si on pêche ce qu'ils ont pêché. Faut donner des grands coups comme ça. Jack, Jack. Là, tu vas du côté des. Ah, bah oui, pour les gens de la graine. Pourquoi nous, ça marcherait pas? Pourquoi? Après, on sait pas avec quoi ils ont pêché. Later. Ça marche pas, hein. Allez, elles sont vite, tout mon coup. La pêche est un art. On a le rouleau, on a le leurre, mais on n'a pas la bonne pêcheuse. On a fait des vagues dans tout le mouillage. Voilà, on va pas être aimé à cause de vous. À cause de vous, on va se faire engueuler. Voilà. Bon, je me demande avec quoi ils pêchaient. Oui, hein. Les bananes, on va échapper belle. Hein. Ouh, attendez, je reprends mon souffle. On est arrivé là, au bord. Et là, il y a les rouleaux qui sont arrivés. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'annexe? Elle est tombée. Il y a tout qui est tombé de l'annexe, le réservoir. J'espère qu'on n'a pas abîmé le moteur. Hein. Je tremble encore là. Vous voyez la plage là? Elle descend direct. Ça génère des gros rouleaux. Donc il n'y en a pas tout le temps, mais au bout de la 6e ou 7e vague, les vagues sont beaucoup plus grosses que les autres. Mais là, celle-là, elle est petite. Mais celle qu'on s'est prise, elles étaient bien grosses. On a mal estimé le danger du bord là, en fait. Au bout de 15 ans, on se fait encore surprendre comme ça. C'est incroyable. Oh putain! Bon, j'ai cru que vous avez expliqué tout à l'heure, mais je vais refaire ma version, je sais pas ce qu'elle a dit à la GoPro. Des murs d'eau. Quand on est descendu, bah, normalement j'arrive, je descends, et hop, on pousse l'annexe au large, et elle est accrochée, vous m'avez déjà vu faire ça plusieurs fois. Sauf que là, au moment où elle est arrivée, j'ai pas eu le temps de repousser l'annexe, il y a un mur d'eau qui est arrivé comme ça. On avait vu l'annexe se lever comme ça, elle s'est retournée. L'incroyable Hulk, il n'y a rien à côté de l'incroyable Choupi. Je sais pas par quelle force j'ai réussi à retourner l'annexe avec le 15 chevaux. Elle est lourde quand même, hein. Je remets comme ça, je dis à Jacou, lâche tout. Et elle relâche tout. Rebelote, une autre vague arrive, bah, ça se retourne. Putain, je remets tout. Elle me donne l'encre, tout ça. Quoi. Moi, je pensais que j'avais l'encre. J'arrive à me mettre au large. On a tout perdu, les rames, les trucs qu'on a retrouvé après sur la plage. Je dis à Jacou, je dis bon, je vais te rejoindre à la nage, je vais mettre l'encre au large. Et là, d'un seul coup, je m'aperçois que c'est bien mou. Et en fait, l'encre s'est en plus décrochée du bout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on a avorté notre sortie pendant que j'étais quand même sur l'annexe. La jacouille t'avait cueilli dans le jardin d'Éden des citrons. Il y a ce fameux banc de poissons aussi là qui s'est agrandi et qui est devenu dynamique. Vous savez, celui où j'ai filmé avec le requin comme ça qui me surprend. Il y a de plus en plus de poissons. Qui est très actif, donc ça veut dire qu'il doit y avoir du shark dedans parce que ça bouge à une vitesse de fou. Donc j'aimerais bien le filmer en drone, ça. Bizarre ce qu'on va vous dire. Il y a pas mal de bateaux à Tahuata dans la baie où on est, et il y en a qui ont des enfants. Et si on écoutait la jacouille, il va emmerder tous les bateaux en disant ça va pas, laissez pas vos enfants nager dans l'eau, là il y a des requins. Nous sommes dans le Pacifique, il y a des requins. Mais depuis qu'on a vécu cette attaque de requins en Australie, là moi j'ai plongé dans le banc, on a vu le requin, j'ai envoyé le drone, j'ai vu le requin. Comme quoi les requins n'attaquent pas plus que ça non plus. Deux bateaux. Ils sont avec leurs gosses, ils sont dans l'eau, ils sont bien, ils sont pas tous. Ils sont juste à côté de la masse noire
de poissons avec les requins qui tournent autour. Donc, c'est ce qui démontre quand même que les requins ne sont pas si agressifs que ça non plus, mais un accident peut arriver. Et à Jacques, si je la laissais faire, elle irait voir tout le temps. On vous l'a déjà dit, hein, plonger le soir au coucher de soleil, nager dans les eaux, là en ce moment, ils sont en frénésie quand même, les requins. Ils sont chez eux, donc il faut faire attention, il y a des règles à respecter. Oui, mais tu ne peux pas aller voir les bateaux. Imagine, il y a 36 bateaux, tu vois, on va passer pour les casse-couilles du Pacifique. Non, ils nous laissent tranquilles, ceux-là, ce sont nos vacances et mon plaisir, c'est ma récompense. Les bananes, il y en a marre. Qui a bouché les toilettes? Il y a un grand doute maintenant, est-ce que c'est Hadji ou bien c'est eux? Et pourquoi ça serait pas vous? Vous savez bien qu'on sait quand on bouche les trous. Tu vas dénoncer Jacouille et Choupi? Quelle horreur! J'émets une hypothèse. Moi je pense mettre une GoPro dans la cuvette des toilettes. Et reconnaissance anale. Eh ben on est balbarrés les bananes. Tout ça c'était pour vous dire que les citrons qu'on a trouvés ils sont vachement juteux. Oui. D'extraordinaire ici. C'est la corne d'abondance. Oui. À terre. Corne d'abondance, il n'y a plus d'abolo. On va échanger. C'est la Hop là corne de Gérard Majax de Rome, ah c'est oui, moi. C'est la corne de dépendance pour Choupi. Et dépêche-toi. Invite qui paye. L'instinct du marin, l'instinct du capitaine. Tu peux passer une bonne soirée entre amis en disant je vais me coucher, j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passait dans mon monde. Quand même, il y a un petit truc qui te dit ton bateau, il y a un truc qui ne va pas. Sixième sens de Choupi. Le sixième, c'est le rhum, le septième, c'est mon encre. J'ai un peu bu, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je suis allé voir l'encre. Attends, elle était bien plantée. Hein. Elle était plantée dans le sable. On a chassé. Et on a la meilleure encre du monde, la Rokna. Arrêtez un peu. Arrêtez de dire que c'est la meilleure encre du monde. Non. Je suis allé voir. Il n'y a pas besoin qu'on me dise comment mettre une encre dans le sable. Je sais comment mettre une encre. Calme-toi, Choupi. Non, mais j'ai passé une mauvaise nuit. Ah, ça bouge. On est plus accroché. Ça donne un accroche. Oh, putain. Putain, mais c'était un super mouillage ici. Là. C'est quoi l'histoire, là? On était ici, ça fait 3 jours. Et d'un seul coup, ce soir, on est là. Donc a priori on serait sur un platier et on l'avait mis mouillé dans 6 m70. On l'avait mis au moins 40 quoi. Mais de toute manière tu mets n'importe quelle encre sur du platier, ça ne tiendra pas. Et pourquoi on est les seuls qui ont chassé là? Bah parce qu'on est les seuls à être sur le platier. Je peux avoir tes lunettes, je veux juste voir, j'ai pris le métaux. Oh putain, ça va me souffler encore plus. Il faut être à l'écoute de Blacky. Qui c'est qui dort pas ce soir? On a qu'à plouffer. Plouf, plouf. Ça sera la Jacouille qui ira faire le quart de mouillage. Ok, t'as perdu, c'est toi. Allez, bonne nuit tout le monde. D'aventure en aventure, la Jacouille et le Choupi. On va descendre sur la plage vu qu'hier on s'est ramassé la gueule. Donc quitte à se faire ramasser la gueule, on va y aller avec le kayak bleu. Le kayak bleu, il faut savoir qu'il n'accepte que 90 kilos. Et là, vous l'avez bien tous compris. La Jacouille, déjà, elle est toute seule, dépasse le poids toléré pour ce kayak. Quel bâtard! Je sens qu'il y en a qui sont d'accord avec elle. Ah, mais t'es longue! Oh là! On dirait Wally Gator. Tout dans son canot, il a l'air vainqueur! T'es sûr que c'est bon? C'est peut-être le jaune qu'on avait pris. Vous vous rappelez les bananes, c'est lequel qu'on avait pris? Non, mais tu vas pas sur le banc de poisson. Je vais pas sur le banc de poisson, Josanne. Il y a un caillou devant, si tu pouvais éviter d'aller sur le caillou. Je vais pas sur le caillou, Josanne. Mais t'arrêtes de me traiter de grosse banane. C'était une grosse banane. Tu as le. Oh putain, ouais. Je le sens pas, cette histoire. En plus, j'ai les jambes croisées, attends, je vais me péter la gueule. Vas-y, vas-y, on y va. Pas trop mal, hein? Nous avons réussi. Vous entendez? C'est que des citrouilles, ouais. Là, c'est mon petit paradis à moi. Bah, Jacouille ramasse ceux qui sont par terre. Il y en a partout. Vous vous rendez compte? Là, ici, ce sont les pamplemousses. Là-bas, il y a un manguier, les mangues. Là, ici, un cochon est venu. Il a gratté. Ça, c'est le noni, ouais. T'as vu, il fait des fleurs aussi. Regarde, c'est pareil, ils font des médicaments avec ça. Fleurs de tamarin. La marinier, ça c'est un laxatif, ils font des médicaments avec fleurs de citronnier. Voilà mon Kevin, à quoi ça ressemble. Je te montrerai la vidéo, mon Kevin. Fleurs de corosol, ça commence comme ça et ça devient comme ça. Que la nature est belle.
Ah oui, des beaux champignons. Est-ce que ça se mange, ça fait que tu goûtes, toi? Des tiarés. C'est où, l'arbre? À montrer. C'est une fleur emblématique, en fait, de Polynésie, la fleur de tiaré. Ça, c'est la petite masse de poisson, juste ici, là, où le requin se promène. Il faut se remettre à l'eau. Allez vite. Je monte. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, on est bon bébé. C'est bon. On y a les bananes. On rentre sur la pluie, les bananes. Black Lion est prêt pour un redépart, 85 000. Pour toucher l'île, une des îles les plus au nord de Marquise. Qu'est-ce que c'est que 85 000 ? C'est toujours quand même une aventure, moi je trouve. Hein. Ah, oui. Une préparation, une nouvelle aventure. C'est pas parce que c'est que 85 000, c'est quand même quelque chose. Donc on a fermé les bâches. Nouveauté, on retire les poufs maintenant parce qu'on en a marre de les rincer tellement que ça souffle en ce moment.